commencer la vidéo, nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications. Je ne peux pas courir comme Usain Bolt, mais j'essaye de faire des recherches aussi vite que l'éclair. Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir des petites applications sur notre Google Home préféré. On va voir pour certaines des applications divertissantes, on va voir des applications professionnelles, il va y en avoir pour tout le monde, une petite application même pour les enfants, et comme d'habitude, on va poser certaines questions à notre Google Home. Donc ces vidéos sont là pour vous divertir, ces vidéos sont là pour vous montrer les toutes nouvelles applications qui viennent de sortir. Je vous partage ces vidéos, allez sur ma chaîne, il y en a vraiment beaucoup sur le Google Home, n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner, et c'est parti. Et comme d'habitude, sur le Google Home, maintenant, on n'a plus besoin, pour beaucoup d'applications, de dire le fameux mot-clé « parler avec ». Ok, donc c'est parti, on y va. Blague de pingouin. Ok, je vous mets en contact avec Blague de pingouin. Que mangent les pingouins pour le déjeuner? Burger de glace. D'où les pingouins tirent-ils leur argent? La banque de poissons. Où les pingouins vont-ils nager? Au bord de la piscine sud. Comme vous avez entendu, une petite application divertissante qui peut être marrante pour les enfants, Blague de pingouin. C'est rigolo, on peut s'en servir lorsqu'on est en famille, lancer ça au repas, ça peut être cool. Allez, c'est parti pour la deuxième qui est un peu plus sérieuse celle-ci, la coque numérique. Bien sûr, voici coque numérique. Avant de commencer, je souhaiterais avoir votre prénom. Christophe. Salut Christophe et bienvenue à la coque numérique. Merci de dire l'option désirée. Pour en savoir plus sur la coque, dites découvrir le concept. Vous souhaitez organiser un événement à la coque ou savoir quel type d'espace vous avez besoin, merci de dire organiser un événement. Pour nous contacter, merci de dire nous contacter et enfin pour en savoir plus sur cette application, dites à propos de cette application. Découvrir le concept. Très bien Christophe, voici la présentation. Animée par la structure VF Event avec trois partenaires qui sont Euroméditerranée, le CNRF ID Connect-toi et Vray Made in Soft, la COP numérique est un centre d'innovation et événementiel digitaux de la ex-Marseille French Tech. Situé en plein cœur d'Euroméditerranée sur la place Henri Verneuil à Marseille, vous retrouverez du contenu numérique pour vos événements autour de l'IoT, objets connectés B2B, du BIM, Building Information Modeling ou encore de la Smart City. Entièrement équipé et digitalisé, notre lieu vous propose plusieurs outils et services afin de réaliser au mieux votre événement ou présentation. Nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.lacoque-numérique.fr afin d'avoir plus d'informations. Pour retourner au menu, merci de dire « Retour au menu » ou « Quitter » pour quitter. Quitter. Bien sûr, la COP numérique vous remercie et espère vous revoir prochainement. Voilà donc une entreprise marseillaise d'ailleurs. Un grand bonjour à tous les Marseillais, tous les Marseillaises qui regarderont cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Et donc, une entreprise se trouve en Marseille, la COP numérique, pour tous les événements professionnels. N'hésitez pas donc à consulter la COP numérique sur votre Google Home. Il vous rendra toujours des services. Allez, on passe à la petite troisième. On va voir maintenant une nouvelle application du nom de... Alors, si vous désirez, là aussi, faire quelques petites traductions, les mots-clés sont par exemple... Bonjour à vous, tous mes abonnés, en anglais. Hello to you, all my subscribers. En espagnol. Hola a todos, me encantan mis suscriptores. En portugais. Hola a todos, que eu amo meus assinantes. Voilà, donc vous pouvez, par exemple, pouvoir discuter avec quelqu'un d'une langue étrangère et tout simplement vous donner votre phrase et ceci sera transformé directement dans la langue voulue. Pour la traduction, voilà comment on procède. On donne notre phrase en français et on lui dit de la dire dans la langue qu'on désire. C'est assez simple et c'est vraiment génial. Et je pense qu'on peut aussi faire dans le contraire. Si je lui dis « Hello, how are you ?» en français. Salut, comment allez-vous ? Ça marche aussi bien dans un sens comme dans l'autre. Ça, c'est vraiment super génial, puisqu'on va pouvoir discuter avec des gens parlant une langue étrangère
Donc, plus de limites de langue. Parler avec Croquetland. Très bien, je vous mets en contact avec Croquetland. Bienvenue sur Croquetland. Laissez-vous guider pour obtenir des informations sur votre animal. Avez-vous des questions sur les chats ou les chiens? Les chats. Très bien, mes réponses concernent désormais les chats. Vous pouvez choisir une catégorie parmi santé, alimentation, équipement, conseil. Santé. Voici les thèmes disponibles pour la santé du chat. Éternuement, poids idéal. Éternuement. Les causes d'éternuement chez le chat peuvent être multiples. Cela peut être une simple gêne causée par de la poussière ou bien une obstruction des voies nasales. Si les éternuements s'accompagnent d'écoulements ou s'il a les yeux larmoyants ou collés, cela peut être lié à une maladie respiratoire, il faut consulter votre vétérinaire. Voulez-vous d'autres informations sur la santé du chat? Quitter. Voilà donc cette application va vous informer sur les différentes possibilités sur vos animaux. Parlez avec Caparca. Très bien, je vous mets en relation avec Caparca. Bienvenue sur l'aide vocale Caparca, je suis là pour vous renseigner sur Caparca, nos produits ou des informations plus générales, je vous écoute. Que puis-je dire? Je peux vous donner des infos générales sur Caparca, vous aider à nous contacter, vous montrer nos offres d'emploi, exposer nos produits ou vous mettre en contact avec un conseiller. En quoi puis-je vous aider? Offre d'emploi. Vous pouvez consulter toutes nos annonces sur notre site internet dédié recrutement-caparca.fr. Que puis-je faire de plus? Stop. Voilà donc cette application Caparca qui est donc, ça peut être utile pour des personnes qui recherchent directement contactées par la société Caparca. N'hésitez surtout pas à aller consulter cette application sur Google Home. On continue la découverte sur notre Google Home. 100 000 poèmes. Ok, je vous mets en contact avec 100 000 poèmes. Bonjour, je peux vous réciter un poème au hasard. Ça vous dit? Oui. Le cheval Parthénon s'énerve sur sa frise pour, du fin fond du nez, exciter les arceaux. Voilà, maintenant c'est accessible sur Google Home puisque ça l'était sur smartphone. 100 000 poèmes, c'est vraiment génial. Vous allez pouvoir écouter pas mal de poèmes qui sont assez sympas. Allez, on continue, c'est parti, aujourd'hui c'est la fête. Alors, une possibilité, si vous avez donc un Chromecast à la maison, vous prenez vos photos avec un smartphone, vous avez l'application Google Photos, eh bien, vous pouvez demander à votre assistant Google de mettre tout seul vos photos sur votre télé grâce à votre Chromecast en lui demandant « Montre-moi mes photos sur salon. » Je vous montre vos photos sur salon. Instantanément, le Google Home balance toutes vos photos sur votre télé. Donc, ça peut être très agréable lors d'un repas. Toute la famille pourra en profiter. On continue. C'est parti. Parler avec Niveau de Lac de Fribourg. Bien sûr. Voici Niveau des Lacs de Fribourg. De quel lac aimerais-tu savoir le niveau? Quels sont les lacs? Je connais le niveau des lacs de la Gruyère, de Chiffenon, de Mont-Salvance, de Rossinière, de Lessoc, de Moron et des Brenets. Voilà donc, niveau des lacs de Fribourg, vous allez pouvoir avoir le niveau de chaque lac qui se trouve donc à Fribourg. Voilà donc pour toutes ces petites nouvelles sur Google Home, donc avec les petites dernières applications toutes sorties, un petit mélange bien sympathique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, à partager et pensez à vous abonner car beaucoup de vidéos, de tutos, de présentations sur ma chaîne sont présentes. À très bientôt pour la prochaine. Salut à tous.